Merci Cécile. Pas trop. On est midi. Alors. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphane. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Je vous ai fait préparer une belle assiette pleine de couleurs. J'adore. Ça c'est une assiette de d'été, j'adore. Et pourtant, il fait un temps de merde dehors, mais là, vraiment, je suis ravie, j'adore. Alors, tout ce que j'aime, ça a l'air frais, c'est frais. Ah, tu as mis des fleurs, c'est trop joli, j'adore les fleurs. D'ailleurs, j'adore que les hommes m'offrent des fleurs. Moi, je trouve que ça commence un peu à se perdre. Ça, c'est bon, on va se souvenir. Les choses, en fait, les bonnes choses simples se perdent. Hein. La salade, parfaite. Les petites pousses, j'adore. Très simple, bio, frais, sain. Et surtout pas cette sauce blanche que tous les restaurants nous servent systématiquement dans les salades. C'est insupportable. Là, on revient sur des vinaigrettes de base. C'est bien. De la balsamique, obligé ou pas, mais bon, voilà. Et de l'huile d'olive, mais pas cette espèce de sauce blanche qu'ils préparent à l'avance. Ça devrait être interdit, ça. Voilà, c'est très bien. J'adore. C'est très content. Alors, après, un petit verre de vin rouge. Un petit chinon. Ouais. Oui, c'est bon, ça va. C'est un petit chinon, c'est léger, c'est frais. Pas non plus de quoi faire un fromage. Enfin, c'est bien avec la salade. Donc tu m'aurais donné un petit bourguignon, tu m'aurais donné un bon vin un peu plus rond, je dirais, hein, parce que c'est important le bon vin. Très important. Là, ils ont regardé la grappe. J'adore les petites fleurs, elles se mangent ou pas? Oui, tout à fait. C'est des fleurs comestibles. J'adore. Je vais la mettre là maintenant. Voilà. Ça vous va très bien. J'aime bien, oui. Et oui, c'est encore tout ce qui me reste, hein, c'est à peu près ce qui me reste entre les seins. Tu aurais pu mettre un petit peu d'aneth, je trouve. Voilà, J'avais pensé vous offrir un beau plateau repas des hôpitaux de Paris, mais je me suis dit, vous en avez peut-être un petit peu marre. Les plateaux repas dans les hôpitaux, c'est quand même pas... Déjà, les hôpitaux, malheureusement, disparaissent. Ça, c'est un autre sujet, mais... En revanche, si on donnait un peu plus souvent des salades comme ça aux malades, je pense qu'ils iraient un peu mieux, parce qu'il faut arrêter de prendre les malades pour des cons aussi. Et je pense que c'est pas une question d'argent, c'est une question de simplicité. On peut faire des choses très simples, avec pas grand-chose, et peut être très bon avec pas grand-chose. Alors des ça, bons produits, bien préparés, bien cuisinés, oui, mais et bien présentés. C'est pas bien préparé, mais c'est comme un homme quand tu fais le mort à une femme, c'est pas de préliminaire, tu vois, il se passe que dalle. Bah, ça, c'est un peu pareil pour la bouffe. De toute façon, moi, je suis pour les légumes de saison. C'est-à-dire, hors de question d'avoir des aubergines, c'est pas la saison. Voilà, je suis un peu comme il s'appelle, Jean-Pierre Coff. Et on aura un petit café ou pas? Je vais voir. D'accord, voyons. Bon. Je vous remercie, Sophie. Je vous en prie, Stéphane, c'était parfait.